On continue avec un nouveau duo et je pense qu'on va vivre un moment d'émotion assez dingue. Car les deux artistes qui vont se retrouver face à face n'ont jamais chanté ensemble en public. Et pourtant, ces deux artistes sont liés par le sang. Ce visage ne vous est peut-être pas encore connu, mais cette jeune artiste n'est autre que la sœur d'un chanteur ou d'une chanteuse que vous connaissez bien. Alors, je vais vous laisser essayer de deviner de quel artiste il s'agit. Ce matin, notre sœur mystère ne savait pas encore qu'elle allait participer à l'émission. Un membre de notre équipe a été la surprendre pendant un rendez-vous. Bonjour, May. Bonjour. J'ai un message pour vous. Bonjour, May, c'est Alessandra Sublet. Ce soir, on tourne Duo Mystère. Le principe, c'est deux artistes qui chantent en duo ensemble, mais qui le découvrent qu'une fois qu'ils sont sur scène. Moi, j'aimerais faire une surprise à ta sœur. Et si t'es d'accord, rejoins-moi sur le plateau et on fait ça ensemble. À tout de suite. Attends, je comprends pas. C'est maintenant, c'est quand? Eh oui, vous avez bien entendu, May va surprendre sa sœur. C'est donc une artiste féminine qui se trouve sous le tube. Mais je suis pas prête, hein. Si vous n'avez pas encore décelé un air de famille, peut-être qu'entendre May en répétition vous mettra sur la voie. Et soudain se pose sur leur cœur en fait un papillon rose, un rien, pas grand chose, une fleur offerte. Toute mon enfance, c'était les Disney H24 à la maison. Et notre préférée, c'est La Belle et la Bête. Du coup, Histoire éternelle, on l'a chantée et chantée et chantée. C'est vraiment notre histoire de sœur, quelque part. Mais c'est vrai que je suis plutôt en retrait de nature, donc j'adore l'écouter. Et au final, là, c'est un peu fou de partager ce duo avec elle, quoi. May et sa sœur sont très proches, mais celle-ci n'a aucune idée de ce qui se prépare. Elle a répété le duo de son côté, stressée de ne pas savoir qui sera face à elle. Mais elle est persuadée d'une chose, c'est qu'elle va chanter avec un homme. Elle est en panique. Elle ne sait pas avec qui elle va chanter la chanson. En plus, elle a un petit côté profileuse, c'est-à-dire qu'elle mène l'enquête. Elle a pensé à une dizaine d'artistes avec qui elle était à un moment donné, à chaque fois certaine que ça allait être le bon. Mais jamais sa sœur. Pas une seconde, elle a pensé jusqu'à ce soir qu'elle allait chanter avec sa sœur. Je vous rappelle que pour brouiller les pistes pour les artistes qui, eux, se connaissent très bien, ils entendront la voix de l'autre artiste modifiée. Mais vous, pour jouer chez vous et deviner, vous entendrez la vraie voix des artistes. Histoire éternelle qu'on ne croit jamais, de deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret, et soudain se pose sur leur cœur en fait. Un papillon rose, un lien, pas grand chose, une fleur offerte. Rien ne se ressent, rien n'est plus pareil. Mais comment savoir?
Tes pieds là. J'ai même pas attendu de voir le visage. Les pieds de la famille. Ah, mais toi là. Mais. Et voilà. Je suis choquée. Je suis trop heureuse. Ouais, moi aussi. Ah, voilà, à chaque fois je me retrouve dans ces situations bizarres là. Wow. Non, c'était trop bien. C'était bien, mais je t'entendais pas du coup. Oh, moi non plus. Mais toi, tu savais que c'était moi, oui. Enfin. J'ai su ce matin. Amel Ben et May, deux artistes exceptionnels, deux sœurs réunies pour la première fois à la télé grâce à Duo Mystère. Vous nous avez donné la chair de poule. Ce qui est très émouvant, en fait, c'est que la musique, le chant, c'est vraiment quelque chose qui nous a tout de suite beaucoup... On est sœurs de sœurs, de sang, mais on est sœurs aussi de passion. Et en fait, dans mes plus vieux souvenirs d'enfance, ça a été à la fois mon premier public, mon premier soutien. Et aujourd'hui, je suis son premier public et sa première fan et son premier soutien. Et d'être ensemble là pour chanter, c'est particulier parce qu'à la fois, je suis fière, je la vois, elle a grandi, elle est belle, elle est plus grande que moi. Et cette chanson que vous chantiez quand vous étiez gamine toutes les deux. Ah bah c'est notre dessin animé préféré. Amel, quand le mur s'est levé, petit à petit, j'ai vu que vous regardiez les pieds, mais moi. Et à quel moment vous êtes dit oh non. Les pieds, mais je vous jure, c'est ma sœur en fait. Juste, je lui ai changé les couches, je lui ai donné tous ses bibis. Je lui ai fait son premier vernis. Donc en fait, je connais les pieds de ma petite sœur par cœur. C'est comme si c'était les miens. Mais au final, c'était juste magnifique. Ça va? Ah mais moi je suis bouleversée. Ouais, mais ça se sent. Il faut quand même expliquer que c'est votre maman Rabia. Oui. Qui m'a aidée à mener l'enquête, évidemment. C'est vrai? Bien sûr. Je sais pas. Non mais c'est elle qui nous a aiguillés, évidemment, qui nous a donné le tuyau sur la chanson La Belle et la Bête. Elle est trop forte, maman. C'est un moment unique, Amel. Merci beaucoup. Merci à l'orchestre, pardon. Magnifique. Bien sûr, David Berland et son orchestre. Voilà, vraiment. Vous avez bien raison, Amel. Juste un rêve qui se réalise de chanter cette chanson pour elle comme pour moi. Merci beaucoup. C'est incroyable. Merci. En plus, t'as vu, moi j'ai des attaques d'émotion. C'est-à-dire, je suis bien. Et puis d'un coup, ça fait pion. Et après, pion. Moi, j'ai pleuré à toutes les étapes. C'est vrai, même au début, même quand il y avait le mur. Ah, mais toi, tu savais en plus que c'était moi. Bah oui.